C'est sur le parvis de la gare que les cheminots ont lancé leur première AG ce matin. Un moment important pour se compter et estimer l'adhésion au mouvement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 77% quand même des conducteurs de trains qui sont en grève, avec une 60% de contrôleurs également. Au menu des discours, la crainte de l'ouverture à la concurrence et le statut des cheminots qui doit être protégé. Les droits sociaux des cheminots. Le statut doit être confirmé comme la règle, y compris pour les futures embauches. Le statut des cheminots, un sujet sensible, d'autant que beaucoup de conducteurs s'estiment mal compris des médias et des voyageurs. Les usagers, ils ne sont pas forcément de notre côté, hein, notre famille non plus, tout ça, parce que de toute façon, ils ne connaissent pas la vie qu'on a. Hein. Bon, bah, c'est sûr, on se lève à 4h du matin, on finit à minuit, etc. Enfin, il y a plein d'obligations, on mange quand on n'a pas faim, on va aux toilettes quand on n'a pas besoin, etc., etc. Jusqu'où iront-ils? Comment mesurer leur détermination? La réponse des cheminots est sans ambiguïté. Ça nous coûte tous, hein, puisque hein, forcément, contrairement à ce qu'on entend, nos jours ne seront pas payés. Hein. Donc je vais me battre ben, jusqu'au dernier centime hein, qu'il y aura sur mon compte, j'irai voir ma banquière. Mais je le dis à tout le monde, moi personnellement, je ne lâcherai jamais. La guerre d'usure ne fait que commencer. Une nouvelle assemblée générale aura lieu demain devant la gare. Pour savoir si l'on est d'accord ou pas.